Les journalistes et techniciens des médias ont assisté au cas d'école du CORED sur le droit du public à l'information à l'épreuve du secret. Une rencontre divisée en trois panels. Le premier porte sur les notions de droit et de secret. Quand on parle de secret, on n'y peut absolument rien parce que ce qui est déjà classé secret, le journaliste ne peut pas le transformer en quelque chose qui doit être divulgué. Donc, pour le grand public. À partir de là, la notion de droit, maintenant, fait qu'on ne peut pas aller plus loin. Quand est-ce que l'information est classée secret défense? Telle est la question posée dans le deuxième panel. Par exemple, aujourd'hui, l'état-major général des armées décide d'engager une opération. Dans la phase de planification, tout ce qui est dit est secret. Outre secret. L'officier en charge de ces questions-là, l'état-major, le chef des opérations, plutôt que de donner à son secrétaire pour taper, il va lui-même le faire sur sa machine. Le document sera codé et après la signature de l'autorité, ça peut être transmis sous enveloppe à l'autorité destinataire. Pour vous dire que lorsque les informations sont protégées, à notre niveau, nous prenons même des mesures, des dispositions pour réduire le nombre de personnes qui peuvent y accéder uniquement pour limiter les possibilités de divulgation. Les sanctions qui sont prévues sont très sévères. Lors de ce cas d'école, il a aussi été évoqué la question du traitement professionnel des informations relevant du secret défense et du secret de l'instruction. Par exemple, on dit l'armée a ratissé par exemple cette zone-là et on donne des bilans, des armes, des gens neutralisés, etc. Mais le journaliste n'a aucun moyen de vérifier. On donne la présomption de vérité au communiqué et au bilan qu'on nous fait. Après la séance de questions-réponses entre panélistes et journalistes, la presse et la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA se sont mises d'accord pour poursuivre les discussions sur cette problématique du traitement professionnel des informations relevant du secret défense et du secret de l'instruction, afin de travailler dans le respect de chaque corps. Elles n'ont pas aussi oublié de rappeler que n'importe quelle source est porteuse de manipulation et donc la vérification avant la publication de l'information par le journaliste est toujours capitale.